Watch. Game Watch. Game Watch. Game Watch. It's a demo Game Watch. Throw a demo Game Watch. Tell a demo Game Watch. Game Watch. Judge. Ball. Barmin. Fire.マイクロコンピューターを使ったゲームウォッチ。ゲームをしないときはデジタル式クォーツ時計です。Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission aujourd'hui consacrée au retro gaming. Ah oui, je sais voir un petit peu parce qu'on parle pas souvent de bande dessinée en ce moment, mais que voulez-vous, hein, j'essaie de rattraper mon retard dans la grande.Dans le grand recensement des bibles et autres anthologies. Donc il y a du lourd, il y a beaucoup de productions en France, et c'est tant mieux pour nous, tant mieux pour les fans de rétro gaming. Et aujourd'hui, je reviens sur, non pas un, ni deux, mais trois livres sortis à l'initiative de Florent Gorge, et c'est sur l'histoire de Nintendo. Donc c'est en trois livres, trois livres aux éditions Pics and Love, mais je crois que ça a aussi été repris aux éditions Mac et Books, avec premier tome 1889-1980, des cartes à jouer au Game & Watch, donc c'est bien le 1. Le 2, 1981-1991, l'étonnante invention Game & Watch, justement, petit jeu électronique LCD. Et enfin, le dernier, 1983-2003, Famicom, Nintendo Entertainment System, et puis c'est tout, voilà, jusqu'en 2003, c'est géré la première volée, le premier volet du chapitre. Alors comme d'habitude, ce sont de très beaux ouvrages, hein, que je vous recommande, c'est, ça fourmille de détails et autres, et on va regarder ça tout de suite. Mais comme vous l'avez compris, c'est une histoire qui est bien sûr incomplète, hein, puisque il y a eu plein d'autres machines qui sont sorties par la suite, et ces livres restent à écrire. C'est là toute la magie de cette superbe anthologie Nintendo. On regarde ça tout de suite sur Gunnet TV. Alors les petits amis, on s'attaque aujourd'hui à du lourd, du super lourd, voire de l'ultra lourd. L'histoire de Nintendo en 7 volumes, puisque initialement 7 volumes sont prévus dans cette série. Donc aujourd'hui, on va voir les 3 premiers volumes qui sont sortis aux éditions Pics & Love, et pour le volume 3, aux éditions Omake Books et Pics & Love. Voilà, ils ont fait un petit duo pour le troisième volume. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas les détails, mais voilà, il y a deux éditions du volume 3, une chez Pics & Love et une chez Omake Books. Alors moi j'ai acheté les versions dès leur sortie à l'époque, hein, donc c'est sorti en 2008 pour le volume 1, 2009 pour le volume 2 et 2011 pour le volume 3. Alors vous allez rager, vous allez pester, puisque bien évidemment je parle, une fois encore, de livres qui sont épuisés. Mais bon, je sais qu'il reste quelques volumes 3 ici et là, et si vous êtes un habile négociateur, vous pourrez trouver les autres volumes sans trop de difficultés. Alors, le volume 1 se concentre sur l'histoire de Nintendo avant l'avènement des jeux vidéo tels qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, c'est un très très beau livre, on y apprend énormément de choses. Saviez-vous par exemple qu'il y a un lien entre Nintendo et notre empereur Napoléon Bonaparte ? Mais je ne vous en dis pas plus. Saviez-vous que Nintendo avait inventé le pendant du Rubik's Cube au Japon, nommé le 10 Billion, qu'ils ont pompé allègrement les Lego en lançant les NNB blocks, qu'ils ont aussi commercialisé un Love Tester, testeur d'amour en français, et puis derrière, ils ont fait des jouets sous la houlette de Gunpei Yoko, ou Yokoi, je ne sais pas, je ne parle pas très bien japonais. Ils ont sorti plein de jouets qui ont cartonné au Japon, comme l'Ultra Machine, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Enfin bref, ils ont véritablement cartonné à l'époque.
Mais ce qui nous intéresse, c'est effectivement aussi la période du volume 2, les Game & Watch. Compacto? No. Game Watch. Multi-screen. Cigarette case? No. Game Watch. Multi-screen. 上下2つのスクリーンで1つのゲーム。下から上へ、上から下へマルチに展開。ドンキーコング。オイルパニック。スクリーンが2枚で楽しさ3倍。ゲームウォッチ。マルチスクリーン。Alors là, pareil, un succès international. Des petits jeux électroniques que les quadras dans mon genre ont souvent côtoyés. Ils ont été souvent copiés par d'autres, hein, comme Bandai par exemple, qui avait sorti aussi ses jeux électroniques. Enfin, toujours est-il que la période Game & Watch et le volume 2 qui lui est consacré contient plus de 2000 photos et documents, un historique complet sur la création de ces petits jeux électroniques. Tous les Game & Watch sont bien évidemment répertoriés. Vous avez des informations jamais dévoilées. Et ne comptez pas sur moi pour les dévoiler ici, dans cette vidéo. Enfin bref, c'est le génie de Gunpei Yokoi dans toute sa splendeur. Et on peut dire qu'on en a pour son argent parce que c'est véritablement le livre de référence. Vous avez même des cotations de Game & Watch introuvables. Bref, plus de 200 pages richement documentées. こちら、ゲームポリス。光信号とロボットの作動をキャッチ。ファミリーコンピュータとロボットが合体したあの新しいゲームか？はい。あ、今ブロックからジャイロへソフトの切り替えが行われたようです。楽しみを独り占めするのは禁止されている。ファミリーコンピュータロボット。ブロックとジャイロ。Et enfin, le troisième volume, celui qui intéressera un peu plus les gamers, ah ben voilà, c'est l'histoire de la Famicom NES. C'est le troisième volume donc, de cette belle collection, qui donc théoriquement doit en compter 7, hein, je le rappelle. Avec bien évidemment un focus qui est fait sur la mythique Famicom. Les années en fait sont couvertes, je dirais, de 1983 à 2003, puisque 2003 c'est l'année qui signe l'arrêt de cette petite machine et derrière bah voilà, on attend avec impatience les autres tomes puisque bien évidemment c'est quelque chose qui parle à tout fan de Nintendo, hein. On est impatient d'attendre les autres volumes puisque Nintendo bah voilà, c'est une société plus que centenaire, hein. On va rappeler quelques chiffres. Depuis 1983, Nintendo, c'est 4,4 milliards de jeux vidéo vendus. 696 millions de consoles. Alors, bien évidemment, bon, tout ça, ça s'est pas fait en un jour. Nintendo est plus que centenaire. C'est une société qui est née en 1889, qui a rencontré un succès à partir des années 50 avec des cartes en plastique. Bon, ouais, avec aussi des licences Disney qui sont arrivées un petit peu plus tard en 59. Ensuite, ils ont fait des jeux optoélectroniques avec voilà, des systèmes de petits flashs qui apparaissaient à l'écran. Et, voilà, avec le pistolet, il fallait viser le petit flash. Et derrière, bah, Nintendo a envahi les salles d'arcade avec des simulateurs de balles trap. Enfin, des trucs de fou, hein, après les premières consoles. Les Game & Watch en 80, on en a parlé. La Famicom en 83. La Game Boy ou le Game Boy en 1989. La Super Famicom en 90, en 96, la Nintendo 64. Enfin voilà, tout est balayé comme ça dans ces albums, dans ces livres. Et bien évidemment, le parallèle est fait avec la petite Nintendo, hein, la petite Famicom qui poursuivait son histoire. Alors c'est compliqué voilà, de faire une vidéo relativement courte en abordant l'histoire de Nintendo, puisque les plus belles pages de cette histoire restent, et je le souhaite pour Nintendo, à écrire. Mais en tout état de cause, hein, on peut considérer que c'est vrai que c'est une maison japonaise qui a façonné le monde des jeux vidéo. Et quand on, voilà, on regarde un petit peu avec
avec nostalgie le passé de Nintendo, les voir un petit peu évoluer au fil des ans, avec des jouets, des petits jeux électroniques, enfin voilà, avec les succès ensuite qui ont été rencontrés, enfin les succès rencontrés avec les consoles de jeux vidéo, voilà, c'est quelque chose qui bien évidemment parle à tout gamer qui se respecte, et cet ouvrage de Florent Gorge et donc de Isao et Yamazaki rend véritablement hommage à cette société. Et je ne peux que vous conseiller d'essayer de trouver ces fabuleux albums. Voilà, en tout état de cause, bah écoutez, voilà, j'espère que ce petit focus qui est fait sur ces trois beaux ouvrages bah vous donne envie d'en savoir plus. J'espère qu'il y aura des rééditions, hein, puisque je sais qu'il y en a eu quelques-unes au fil des ans. J'espère véritablement que bah voilà, cette série consacrée à Nintendo va perdurer. Puisque on a la chance en France d'avoir des maisons d'édition qui nous sortent des ouvrages absolument superbes et qui nous permettent d'en savoir plus, voilà, sur le dessous des cartes du monde des jeux vidéo. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation et à très bientôt sur Gunnet TV. Family Computer に夢の大冒険ゲーム Super Mario Brothers 秘密の力で大きく変身地上に地下に海に空に次々に展開する不思議な世界 Super Mario Brothers 新発売